Alexandre, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada 83 Créa. Donc, on se retrouve pour un autre partenariat. Donc, c'est la boutique Diamond Art Gift. Donc, ils m'ont contacté pour prendre quelques produits pour vous les présenter. Donc, j'ai eu un budget de 20$. Et donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, dedans, nous avons 2, 4, 5 articles. Voilà, 5 articles. Donc, le premier contact, c'était le 30 septembre et je les ai reçus hier. La commande a été passée aussi le 30 septembre, donc ça a mis 14 jours pour arriver à la maison. Donc, voilà. Allez, je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors, il y a quelque chose que je ne connaissais pas, je voulais essayer, donc on verra bien. Voilà. Donc, pour commencer, donc j'ai pris une toile partielle. Alors, c'est... Non, c'est pas une toile partielle, n'importe quoi. C'est une suspension de Noël. Voilà. Donc, on a un toolkit stylet colle barquette et une petite lanière en genre cuir, là. Bon, c'est pas du cuir, hein, mais c'est genre cuir pour pouvoir la suspendre. Ensuite, on a les diamants. Donc, ce sont que des diamants spéciaux. Voilà, des diamants spéciaux et petits cristaux. Hein. Ce n'est pas des diamants basiques. Voilà. Donc, je vais quand même l'ouvrir. Hein. Ah ben, c'est bien serré. Hein. Hop. Voilà. 3, 6, il y a 8 couleurs. Donc voilà. Hop. Du vert, du jaune, transparent, du rouge. Des petites étoiles. Et voilà. Et donc la petite suspension, c'est celle-ci. Donc, pour Noël, au niveau des symboles, voilà, c'est nickel. Hein. Hop, voilà. Donc, c'est un petit Père Noël sur le mot Christmas, enfin Merry Christmas. Et par contre, la suspension, c'est du, on dirait du carton ou de la mousse. Je sais pas, c'est... ça fait un peu comme de la mousse compensée. Ouais, ça doit être de la mousse compensée, je pense. Donc, vous voyez, c'est très... très malléable. Voilà. Au niveau de la colle, ça colle super bien. Bon, en général, hein, la colle est toujours bien dans ces boutiques. Voilà. La dimension... Ah ben, elle est là, ma règle. J'ai cherché partout pour la première vidéo. Voilà. Donc, la dimension, il fait 29. Là, si je le mets bien, bien. 29 et demi. Voilà. Donc, c'est quand même assez grand. Hein. C'est quand même pas mal pour mettre sur une porte. Et il y a quand même pas mal à diamanter. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Et cette suspension, donc, était à 5,99 €. Voilà. Donc voilà pour le premier article. Oups. On rangera après. Ensuite, j'ai pris une toile partielle. Donc on commence à en voir aussi des toiles comme ça. Moi j'avais envie d'essayer. Ce sont des diamants un peu spéciaux. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc cette toile... Elle est à 7,99 €. Non, c'est des dollars, pardon. 7,99 $. Donc, la suspension aussi, c'était 5,99 $. Et j'avais un budget de 20$. Donc, voilà. Vous voyez, ce sont les toiles comme ça. Où vous avez des diamants, mais vraiment de tailles différentes. Voilà, c'est voilà, j'avais envie d'essayer. Donc là, vous avez le toolkit avec en plus la petite pince en plastique.
Voilà. Et donc la toile, c'est celle-ci. Donc bah, c'est un arbre, hein. Moi j'adore les arbres. Et vous voyez, ça fait vraiment comme des vagues. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Et normalement, ça vous donne ça. J'essaierai de vous mettre la photo comme je faisais, comme je fais quand j'ai des toiles. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à diamanter là. Donc il y a 30 couleurs. C'est une toile qui fait 30 par 40 bords inclus. Au niveau de la colle, ça colle super bien. Et au niveau des symboles, voilà, vous voyez, c'est nickel. L'impression est vraiment très très bien. Alors, au niveau des diamants, désolé pour le bruit, hein. Donc cette boutique, vous trouvez aussi des accessoires, des toiles complètes, des toiles partielles, diamants ronds, diamants carrés, enfin voilà. Vous trouvez vraiment de tout. Et donc là, vous voyez, comme je vous disais, ce sont que des cristaux. Il y a juste du blanc en diamants spéciaux, mais autrement, ce sont vraiment que des cristaux. Voilà, il faut que je m'adapte au focus. Hein. Je suis désolée, c'est pas filmé. Bon, je suis pas une pro en même temps. Hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Et il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, voilà pour cette toile. Hop. Voilà. Ensuite, ben, j'ai voulu prendre une petite boîte, comme j'ai déjà pris la dernière fois. Mais celle-là, c'est pas la même. Pour ranger les colles, vous voyez, comme ça. Là, c'est en forme genre diamant, là, comme ça. Et dedans, je pense qu'il y en a trois. Un, deux, trois, ouais, c'est ça, il y en a trois. J'arrive pas à les enlever, ils sont tout abîmés, donc je vais les laisser dedans pour l'instant. Voilà, c'est une petite forme diamant, comme ça. Et donc, celle-ci, elle était à 1,99$. Voilà. Parce qu'en fait, j'en ai marre de voir mes colles toujours traîner partout. Et du coup, ben voilà. Bon, là, ils les vendent avec la colle, hein, mais c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit stylet. Bah vert, hein, évidemment. Hein. Parce que je l'ai trouvé trop mignon. C'est pas spécialement pour m'en servir, mais pour, voilà, parce qu'il est trop beau. Donc voilà, il est vert mint, comme ça. Vous avez dedans plein de petites petits sequins. Vous voyez, c'est plus des sequins que... Vous voyez, c'est des sequins. Donc bah, c'est un stylet. Voilà. Bon, il fait pas de bruit, mais il est tout doux. Regardez cette couleur. Moi, j'adore la couleur qu'il a. Voilà. Donc, ce stylet était à 1,88$. Donc, ça s'appelle stylet pompon. Voilà, on se demande pourquoi. Voilà. Je vais le ranger pour pas l'abîmer tout de suite. Hein. Voilà. Et le dernier article que j'ai pris, donc moi je ne connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard dans le site. En fait, c'est un stylet avec une lampe intégrée. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissiez, vous, mais moi ça m'a intriguée, donc j'ai dit tiens, je vais voir. Donc là, vous avez un double face, hein, vous l'enlevez, vous pouvez le coller sur votre plan de travail. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le but. Alors, et... Ah ben voilà, quand vous avez le stylet, vous enlevez le stylet, ça allume la lampe. Regardez. Hop. Je l'enlève, ça s'allume. Donc ça, normalement, c'est posé comme ça. Hein, voilà. Et avec votre... Bon, après, le truc, il n'est pas très très long. Hein, et après, ben voilà, vous prenez...
C'est un stylet donc basique. Hein. Il est un petit peu gros par rapport au stylet d'habitude. Mais voilà, je pense que même en enlevant la petite cordelette, ce sera plus simple. Voilà, et quand on le met, hop, il s'éteint. Voilà, bah écoutez, je trouvais ça, petit gadget, je voulais voir ce que ça donne. Faut voir le soir, voir si ça éclaire bien le plan de travail. Faites attention parce que les finitions sont pas top. Donc, n'allez pas vous faire mal si vous le prenez. Vous voyez, il y a des petits trucs là, comme ça. Et ça, ça peut blesser. Donc, je pense qu'il faut juste un petit coup de lime et puis ça part. C'est des deux côtés. Voilà, donc il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le violet parce qu'il n'y avait pas vert. Mais voilà. Le système est sympa, mais bon, voilà, le fait de le coller, il faut vraiment que vous fassiez du DP tout le temps au même endroit pour le coller. Ah, de toute façon, si vous ne le collez pas, ça ne tient pas. Voilà, donc, faut le coller. Ce focus. Du coup, il faut que je fasse attention au focus tout le temps. Voilà, et donc, ce petit DP lumière était à 3,99 $. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour ce unboxing. Voilà, donc il y avait les 5 articles. Voilà, et la suspension de Noël. Un grand merci à la boutique Gutfeld, n'importe quoi. Un grand merci à la boutique Diamond Art Gift. Diamond Art Gift, c'est tout attaché. Et je vous mets de toute façon en barre d'infos le lien des produits, le lien de la chaîne. Comme ça, vous pourrez aller y faire un tour si ça vous intéresse. Mais ils ont des trucs sympas. Voilà. Donc, ben merci à vous d'être présents. C'est fini pour cette petite vidéo. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !